Il est en t-shirt, Jérôme Commandeur, ce matin. C'est un polo, Bruce. C'est un polo, pardon. Oui, mais comme vous avez une écharpe par-dessus, je ne voyais pas très bien. Excusez-moi, parce que je viendrai nu. À voir sur Europe 1.fr, alors justement, pour vérifier. Voici donc Jérôme Commandeur. Et vous allez nous parler ce matin de l'arrestation de François-Marie Bannier. Je rappelle qu'il a passé la nuit à la prison de la santé. Info Europe 1 de Pierre de Cossette. Alors, la plupart des quotidiens le relatent ce matin. L'ex-protégé Liliane Bettencourt a été arrêté. Alors, est-il besoin de rappeler les faits? On le fait pour la forme. L'homme avait bénéficié de près d'un milliard d'euros de dons de la part de Madame Bettencourt au début des années 2000. Mais en échange du retour d'une partie de la somme, l'affaire avait été classée l'an dernier. Alors, il semblerait cependant que, depuis le dépaysement de l'affaire à Bordeaux, celle-ci reparte de plus belle, car on pourrait prouver que l'octogénaire était atteinte de démence au moment des faits. Alors, ne jetons pas la pierre à ce monsieur Bannier. On a tous voulu un jour ou l'autre profiter gentiment de notre mamie. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas. Alors, Françoise Bettencourt, sa fille, me fait dire « Oui, mais c'est pas sa mamie. » Bon, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas faux. Oui. On a tous voulu profiter gentiment d'une petite voisine. Oh. Alors, Françoise me refait dire « Oui, mais c'est pas sa voisine non plus. » Bon, bah, c'est une copine, ils étaient au lycée ensemble. Bon, elle était 25 classes au-dessus, d'accord. Ils se sont pas croisés beaucoup, puis c'est tout. Peut-être qu'ils se sont rencontrés sur Facebook. Elle s'est même pas allumée un ordinateur, elle est aveugle. Bon, Françoise, faut arrêter de m'interrompre à tout bout de champ, faut que je finisse mon papier. Puis faut arrêter, maintenant, dès qu'on est amis avec quelqu'un, ça devient suspect. Regardez, Bruce et Julie, Michou. Ça fait 20 ans qu'il organise des dîners pour les vieux à Montmartre, personne n'y trouve rien à redire. Bon, c'est vrai qu'il a le même âge qu'eux, ça joue. Allez. Une fois, il a piqué un éventail à une mamie. Mais bon, il était bleu, on lui pardonne. Ah bah oui. Alors Liliane, c'est peut-être tout simplement la mamie que François-Marie n'a jamais eue. Ah, oui. On a tous fait les courses pour sa mamie au moment du repas. Ah, oui. Bon Liliane, je descends faire les courses. Attends, c'est moi qui t'invite, il te faut combien? Ça c'est Liliane Bettencourt? Bah oui, oui. Non, c'est ma mère, écoutez-moi. Bah, je sais pas, deux steaks, un sachet de purée, une demi-baguette, un petit éclair au chocolat qu'on se coupe à deux, je sais pas, un million d'euros. D'accord. Ah, attends, tu veux pas un peu de piémontaise en entrée? T'aimes bien ça la piémontaise? Oh. Tu la digères bien? Oui. Bah écoute, donne-moi 2 millions d'euros, c'est plus sûr et je te rends la monnaie. Mais non, t'es jeune, t'as 64 ans, tu te payeras un tour de manège. Alors, aujourd'hui en France, titre sur la page d'à côté, deux nouvelles victimes de l'empoisonneur au schnapps. Ça n'a aucun rapport avec Liliane Bettencourt. Hein. Non, c'est vrai. Liliane va bien, elle a pris hier soir son petit verre d'aquavit, son pilulier, son verre de polydent pour y mettre la bijouterie. Les barouches sont dans le jardin, comme le dit Françoise, tout est sous contrôle. Merci Jérôme Commandeur, bravo, on vous retrouve demain matin sur Europe 1. Moi, je suis ni beau ni moche, je suis moyen. Retrouvez Jérôme Commandeur dans un spectacle irrésistible mis en scène par Danny Boone. Jérôme Commandeur, maintenant en DVD.